Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration et derrière soi-même. Aujourd'hui, donc des instructions pour des moebone et bébés. Donc en deux couleurs, différentes tailles. Ici, donc c'est multicolore. Donc on a 84 mailles de base. Et celui-ci, on a 12 de moins. Donc 72. Donc on a les aiguilles en 3,5 mm. Donc vous allez voir bien sûr comment ça fonctionne. Et puis on a aussi des petites côtes, voilà des petites sur le bas pour faire un joli effet. Un peu moins de 40 cm ici. Et la plus petite, on a à peu près 10 cm de moins. À peu près 35 ou... Voilà, donc 45, 35 à peu près, comme ça. Et je vais vous montrer donc comment j'ai fonctionné, comment donc, tout le process pour faire ces bonnets. Donc on y va avec la laine. C'est Rico Design, donc c'est Rico Baby Classic Print Deka. Donc c'est 50 grammes, 165 mètres avec des aiguilles ou crochets donc de 3,54, donc 50% d'acrylique, 50% de polyamide. Donc j'ai mes aiguilles donc 3,5, donc tout va bien. Donc c'est la couleur numéro 3 et on y va. Avant de commencer, donc quelques maths. Donc j'ai un... Ouais, il faut 37 plus jusqu'à 40 cm à peu près pour la taille. Et donc pour ça, bon, bah, combien il me faut de mailles? Donc ça me fait 88 mailles pour ça. Donc j'ai du coup donc 10 cm, j'ai testé en fait. Donc pour les centimètres, il me faut 22 mailles et du coup on fait une règle de 3 et avec ça on trouve le résultat donc pour 1 centimètre et on n'a plus qu'à multiplier ce qu'on veut et on obtient donc le nombre de mailles qu'il nous faut. Et c'est comme ça que je suis arrêtée à 44 mailles parce que j'ai juste pris le milieu de ce que je voulais. Et aussi donc voilà, pour que mon système de diminution aussi fonctionne bien. Pour ça, donc, je justifie donc, mon nombre de 84 mailles. Donc là aussi, donc j'ai donc mes aiguilles. Le fil et on va commencer à monter les mailles. On ajuste. Donc j'ai déjà 3 mailles qui sont montées. Et en tout, il m'en faut 84. Donc je regarde, j'ai toutes mes mailles, il n'y a rien qui n'est entortillé. Je vérifie et maintenant on peut commencer. Donc le fil que je vais utiliser est derrière et je vais commencer à faire un endroit, donc le deuxième endroit. Et ensuite je fais des mailles envers, donc 2 mailles en droite, une maille envers et encore une maille envers. Et encore, donc, 2 endroits. Donc on alterne 2 envers, 2 endroits. Donc 2 endroits, 2 envers, pardon. On commence avec 2 endroits et on continue avec 2 envers. Et on fait cette alternance, on alterne comme ça, jusqu'à la fin du rang. Donc nous y sommes. Il faut bien vérifier hein, de ne pas avoir sauté une maille en va ou une maille en droit et d'avoir tout décalé. Et on va continuer jusqu'à atteindre donc 2-3 cm de haut. Donc on continue. Et on continue de nouveau, 2 en endroit, et les 2 suivantes en envers, et le résultat, on alterne tout le rang. Et donc j'y suis, j'ai 7 rangs pardon, de montée. Donc 6 rangs pardon, et puis donc, voilà, vous avez vu c'est assez élastique, c'est plutôt sympa. Et maintenant on va changer le motif. Et tout va être... en endroit, donc ce sera beaucoup plus simple. Donc là on ne fait plus attention, plus besoin, on y va tout simplement. Et donc en fait on fait ça jusqu'à ce que l'on obtienne la hauteur où on va après commencer à faire des diminutions. Donc, petite mise à jour. Donc voilà comment ça évolue. Donc on voit, on est à un endroit. Et donc on a vraiment un joli effet en jersey. Donc on va faire ça pendant à peu près 10 cm, 12 cm. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal avancé. Alors je vais vérifier, je vais mesurer à peu près. Ouais, on y est à 11 cm, il y a bien 11 cm. Donc les aiguilles sont prêtes et j'ai aussi des marqueurs. Donc, ça c'est vraiment un outil très pratique. Là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, je vais donc marquer la 12e maille. Et on fait ça tout le tour. Donc en fait, l'idée, c'est pour ça que j'ai choisi donc 84, qui est qu'on peut diviser par 12. Toutes les 12 mailles c'est marqué et donc on va continuer alors là je vais dévisser cette maille là donc je mets une sécurité. Ça va pas glisser, c'est sûr. Et je vais donc on essaie d'ignorer donc la sécurité et On continue. Un maille endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc on arrive à la première diminution. Et en fait, je vais tricoter les mailles 11 et 12 ensemble. Je vous remontre, hein, je passe juste dessous, cherche mon fil et voilà. Comme une maille endroit, mais avec deux mailles, à travers deux mailles. Je vais comme ça repositionner, donc on va laisser le marqueur, comme ça, ça reste un repère. Pour le tour suivant, donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je n'ai plus que 11 mailles sur mon aiguille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là j'ai la première aiguille, donc elle est pleine avec 21 mailles, donc on a notre première diminution et on arrive avec la deuxième aiguille et là directement je vais faire ma diminution comme tout à l'heure avec les deux dernières mailles avant le marqueur. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles qui sont positionnées sur mon aiguille. Donc là, je continue. Donc il faut s'arranger un petit peu comme ça parce que si je fais une diminution, il me reste 77 mailles et ce n'est plus divisible correctement. Donc parce que par un nombre entier et du coup, bon, il faut jouer un petit peu. Donc là, j'ai 19. Donc je considère donc maintenant cette aiguille pleine et on va continuer avec une autre aiguille. De la diminution. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Donc on a la prochaine donc diminution qui arrive. Donc 14. 15. 16. 17. 18. Et 19. Donc maintenant ma deuxième, cette aiguille est terminée aussi. Vous avez vu là, ça se continue. J'arrive avec ma troisième aiguille et on continue. Un, 2, 3, 4, 5. Donc là, on arrive avec la diminution. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et donc là, on continue jusqu'à ce que toutes les mailles soient sur mes aiguilles. Donc j'y suis arrivée, je suis à la dernière maille de mes aiguilles circulaires. Et là, toute ma maille circulaire est libre. Et là, maintenant, j'ai à peu près voilà, tout est bien réparti. Donc là, je vais monter tous mes marqueurs un rang au-dessus. Au-dessus de la diminution qui a déjà été faite. C'est positionné. Donc là, je peux vous montrer ce que ça donne. Donc vous voyez, hein, c'est pas très visible la diminution, mais elle est là. On la voit, elles sont l'une sur l'autre. C'est assez discret. On continue. Bien sûr, on va toujours faire la diminution au niveau de ces deux mailles, là où notre marqueur est positionné. Donc voilà, donc elles sont maintenant tricotées ensemble. Et maintenant, on continue comme ça. Donc on va, donc par an, on a en tout donc 7 diminutions et donc on aura toujours 7 mailles en moins à chaque rang. Après, on peut jongler, hein, parce que vous voyez, vous avez certains marqueurs, vous avez certains aiguilles où il y en a deux marqueurs, d'autres en ont moins. Donc, on peut toujours jongler. Hein, c'est à vous adapter selon vos préférences, comment vous préférez travailler. Donc en tout, j'ai déjà vraiment pas mal diminué maintenant. Donc vous voyez, j'ai 4, 4, 3 en tout. Donc en tout, j'ai 14 mailles qui me restent. Donc là, j'arrête, je ne fais plus de diminution. Et l'idée, c'est de tout serrer. Donc là, je vais raccourcir le fil déjà. On va laisser à peu près 15 cm. On enfile l'aiguille. Et maintenant on y va. Donc on travaille donc la première aiguille. Je peux retirer donc cette aiguille. Et on peut continuer donc, avec l'aiguille suivante. Donc là, on peut aussi tout retirer. Et donc là, les 3 dernières mailles. Voilà ce que l'on a, et puis mon petit bonnet est terminé. On a tout tiré, et on a un joli changement de couleur, et c'est donc on a les petites diminutions, et puis l'effet de fermeture qui donne un bel effet sur le dessus du bonnet. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la chaîne, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne manquerez plus aucune vidéo. Donc, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le petit bouton. Et puis, donc, on se dit à très vite sur Do It Yourself Inspiration et derrière, il est soi-même. Salut! Salut! Salut!